de Lyon et elle va nous reproduire son libre, un libre sur lequel donc cette équipe a été sacrée championne de France, un libre donc avec musique de Sarah Band et puis ensuite vous reconnaîtriez certainement Requiem for a Tower. Alors elles sont 17 hein, pour ce gala. Il faut juste savoir qu'il y avait un garçon jusqu'à l'année dernière et ce garçon est parti, donc il n'y a plus de garçon dans cette équipe. Le garçon est parti pour Paris, tout simplement pour poursuivre ses aventures en terre parisienne. Très applaudi, vous le voyez, par le public. Alors c'est une discipline très codifiée qui fait partie de la Fédération internationale avec... des programmes imposés, des figures imposées, des championnats internationaux. La French Cup à Rouen début février, puis deux mois plus tard à Courmayeur, les championnats du monde. Et 13e au championnat du monde à Boston, justement, également. Il faut savoir que les meilleures nations viennent d'Europe du Nord, la Finlande et la Suède, et puis également du Canada. Et quand on voit des championnats du monde, on est assez surpris de la qualité de patinage qu'il y a et de la synchronisme qu'il faut pour réaliser des arabesques comme celle-ci.
début d'un Requiem pour le jeu, non ? On entend beaucoup en patinage actuellement. Elle plaît beaucoup, cette musique, effectivement. Il y a une belle vitesse hein, ouais. Chez cette demoiselle. Hein. Et hop, un rocker. Les mêmes pas, les mêmes retournements que l'on utilise en danse sur glace. C'est bien. Il faut de très très bonnes patineuses et de très très bons patineurs pour pouvoir faire cette discipline. Et la prouesse est d'autant plus grande que cette équipe a été renouvelée à 70%. Sa moyenne d'âge est de 17-18 ans. C'est une équipe très jeune, en pleine progression. 13e titre national. On la retrouvera très prochainement pour la French Cup début février à Rouen. Et puis une grosse compétition qu'attend également cette équipe, c'est le Spring Cup mi-février à Milan, où cette équipe espère continuer à gagner quelques places au rang international. Elle domine à l'échelon national, mais il lui reste encore pas mal de chemin à parcourir pour rivaliser parmi les plus grandes. Mais nous leur souhaitons bonne chance. C'est beaucoup d'heures de travail que l'on met à cela. Alors que vous revoyez, vous savourez encore quelques ralentis de nos amis lyonnaises qui s'entraînent sur la patinoire Baraban à Lyon, les Zoulous va venir juste derrière. Il se prépare. C'est un enfant du pays, encore une fois, un Grenoblois, Chafik Besseguier. Encore un grand nom à venir dans le patinage artistique masculin. Oh que oui, et là vraiment je vous demande de l'accueillir et de le regarder. Chafik qui a fait une entrée extraordinaire au Master à Orléans début octobre et qui malheureusement s'est blessé à la cheville pour le programme libre, programme court qu'il a remporté devant tous nos...